Bonjour à tous, bienvenue dans cette ouverture de cartes Pokémon. Cette fois-ci, on a un coffret Tocorico, donc Shiny, avec quelques boosters, et donc la carte Jumbo de Tocorico Shiny. C'est parti. On va ouvrir ça tout de suite. Je suis tombé dessus complètement par hasard, car elle était dans le magasin. En fait, j'ai fait un tour du magasin, je l'ai trouvé par hasard. Donc je me suis dit, pourquoi pas compléter ma collection de cartes Jumbo avec un magnifique Tocorico tout shiny, n'est-ce pas? Alors les boosters, c'est Ombre Ardente. Hop, je vais les sortir. C'est pas une collection que je fais, mais on va bien voir ce qu'il y a dedans. Sachant que voilà, ce que je voulais, c'était... On a la petite carte promo qui est là, mais c'est pas le plus intéressant. Parce que ce qui est plus beau, c'est de l'avoir en gros, en méga gros, voilà, comme ceci. Donc la carte de Tocorico Shiny, tout shiny, GX, avec quand même griffe gratte-ciel à 130, Tococonner, pardon. Hop. Voilà qui est la carte promo Soleil et Lune. 50. Donc on va sortir les petits boosters que l'on a là. Ombres Ardentes, donc on a Oro qui est là. L'autre gardien que j'ai oublié le nom. Oro encore et Necrozma. Hop. On va commencer par Necrozma. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas ouvert de carte Pokémon. Alors, il me semble que c'est ça. Enchouette. Ensuite, on a un Misterbe. On a Skelenox. Spododo. Chenipan. Vicky en carte dresseur. Corde de sortie en carte dresseur, Frison, Reptincelle en reverse. Ouh, je me suis trompé, mais je suis content de m'être trompé parce que c'est le Maconure en GX. C'est absolument magnifique. Et une carte acier. Donc on a un petit Reptincelle. Je sais pas si on va bien voir l'illustration de Reptincelle. Et la Maconure. Voilà, bon, ça commence un petit peu fort quand même. On tombe sur le gardien dont j'ai oublié le nom. Sachant que je n'ai pas pris Ultra Soleil et Ultra Lune, évidemment. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Sauf Kipou. Transforme en samouraï. Togedemaru. Hop, je vais essayer de la montrer celle-là. Donc Togedemaru de Soleil et Lune. Caraclé. Tiboudé. Misterbe encore. Bakabou. En reverse. Je vais mal faire en mélange. Guzma. Solarok. Apocine. Ouh, gros tas de morve d'Alola, Angélix, je montre, et l'énergie O. Ça fait 2 GX dans ce petit paquet. Alors, Ombre Ardente, je vais pas regarder le nombre de GX qu'il y a, mais déjà 2 sur 2 boosters, c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. On va passer maintenant à O. Donc ça, sur le côté. Donc Tiboudé, Enchouette, encore une fois, Misterbe, Skelenox, Spododo, encore une fois, Hypocéan, Motisme Dex, le super rappel, Sonistrel en reverse, et une carte Full Art de Guzma. Dresseur, Guzma. Wow.
Eh ben ça alors, que de surprises, que de surprises dans cette ouverture, mesdames et messieurs. 3 boosters, 2 GX, une foulard. C'est pas piqué d'un don tout ça. Ah. Alors, Tadmoff d'Alola, Riolu, le Miaous, pas d'Alola, le Goupix d'Alola, je vais entrer, sauf Kipou, Frison, Lamperoi, Feuilloutant, Sepiatop en reverse, Scarino en rare, et voilà, je suis tellement choqué de pas tomber sur une GX, une Fullart, on a juste eu Scarino en rare, voilà. Donc, bilan de cette ouverture, déjà, une magnifique carte Jumbo, qui est juste là, et 2 GX et une Full Art que je vais montrer, les 2 GX et la Full Art Dresseur de Guzma. Donc, on a eu un peu de chance sur cette ouverture. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Un peu de chance sur cette ouverture de Ombre Ardente. J'avais déjà oublié le nom de la collection. Et je ne sais pas combien il y a de Full Art ni de GX, mais quand même 4 boosters, 3 ultra rares, je vais dire. C'est un bon ratio, je trouve, pour moi. Je ne sais pas ce que vous avez eu, je ne sais pas si vous faites cette collection. En tout cas, moi, je ne la fais pas. Et je suis tombé sur des trucs de fou. Voilà. Et à un moment donné, je faisais des collections, je ne trouvais jamais rien. Et là, maintenant, une que je fais pas et je tombe sur des belles cartes. En tout cas, je suis content de cette ouverture. On se retrouve pour la prochaine fois. Ce sera encore une ouverture Pokémon. S'en suivra peut-être une ouverture d'un Elite Pack de chez Légende Brillante, si je le reçois à temps. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien d'ici là. À la prochaine pour de nouvelles aventures Pokémon.